Somerville. On va commencer par les options, comme d'ordinaire. Si le jeu veut bien. Haute résolution. Ok, c'est délicat. Ah mais non, mais bande d'abrutis. Ok, c'est bon. C'est vraiment un jeu que tu finis ce soir. Mais apparemment, il est très très court, ouais. Donc on verra bien. Ok, c'est minimaliste, hein, côté option. Bon, voyons ce que ça donne. Je vous ai perdu. J'ai perdu mon deuxième écran. Je pense que la résolution a changé pour la cinématique. Ouais. Ouais, elle a changé. J'ai tout flou. Evil Within avec les bandes. Ah non, pas les bandes. Bon, apparemment on n'est pas dans un pays civilisé. Attends. Ah mais on peut le rechanger là. Ah mais c'est idiot. Pourquoi? Pourquoi tu m'as demandé de faire ça? On va voir si on peut relancer la cinématique depuis le début. Ok, ça c'est bon. Recommencer. Non, tu veux pas. Ok, très bien. Ah si, c'est bon. Bonne résolution cette fois. Ouais. On est bien parti, je pense. S'annonce être un très bon titre pour le moment. Toujours Némande, mais bien moins. Ouais, on n'a plus la moitié de l'écran. Et surtout, on peut lire qui est le directeur artistique, entre autres. La musique est cool. Bon, il reste le problème évident qu'on roule à gauche.
C'est joyeux comme musique. Ah. Ok, voyons voir. Je suppose qu'on joue le gamin. Ouais, ça. Et il dorme en face de ça. Ces derniers jours, j'ai réussi à m'endormir devant des vidéos bien plus bruyantes. Donc ouais, non, ça me surprend pas. C'est l'âge. Tu verras quand tu seras vieux. Ok. C'est l'heure, mon grand. Mais Canal Plus, le... c'était quoi? C'était le premier samedi du mois, le premier mercredi? Dit-il en jouant un gamin. Casse-toi les genoux! Bon, on va aller faire areux-areux de ce côté-là. J'aime pas les jeux où tu joues un enfant dès le début, ça me fait penser au début de The Last of Us. Et il est tellement bien ce jeu. Attends, quoi? Ah, c'est une pièce, ok. J'adore sa manière de marcher. Magie du changement de pièce sans le caméraman. Ouais, oh, ça c'était cool. J'ai bêtement cru que c'était un miroir en fait. Ok. On a un concurrent pour le jeu de l'année. Pourquoi tu mets à charger ta peluche? Pour ça? Ok. C'est pas flippant, tiens. Là-bas? Mais c'est Rudolph. Elle existe encore cette référence? Je croyais qu'elle était morte à peu près en même temps que moi j'ai. Enfin que. Ouais, déjà, elle était plus très récente déjà quand j'étais jeune. Mais Rudolph, c'est rouge. Attends, pourquoi on l'a laissé tomber? Oh, ok. Disons que c'est un champ de 39, j'espère que c'était pas tout jeune pour toi. C'était un film aussi quand j'étais gamin. Ok, ça c'est
Les bons vieux rebords blancs de Tomb Raider. Alors, mets les pieds dans le broyeur et les genoux sur les plaques électriques. Très très bon choix. Marche sur les tomates. Ah ouais, ta maman va adorer, tiens. Hop! Voilà. Ton père aussi, au passage. Tiens, dis que c'est le chat. Ah, on peut pas faire tomber le pot. Ouais. Ah, plie les genoux, ton dos. Ah, oh. Ah, très bien, bien joué. Bravo. Il y a la police dehors. Je sais pas si c'est la police. Il y a peut-être une rave party. Ok, maintenant on joue l'adulte responsable. Enfin, un des deux en tout cas. Idéalement. Je t'espérais le chien. Ça aurait fait bien après Stray. Ah, c'est vrai. La caméra est un peu bizarre. Oh, j'aime beaucoup l'effet à terre. Ok, je suppose qu'il faut aller à la niche. Tu veux jouer? Si j'ai pas pris de chien en vrai, c'est pas pour m'en occuper de un maintenant. Hein. Il y a des tomates à terre, mange ça. Mais pas au frigo la nourriture pour chien. Ce chien est intelligent. Ouais, il est pas mal, il s'en sort bien. Oh, j'adorerais avoir une cave comme ça. Allez, viens là. Non mais ça va pas. Ok, j'ai vu la guerre des mondes, faites pas de bruit. Ah, c'est cool. La réponse humaine attendue. Ok, tout le monde à la cave. Go, go, go. Ah oui, le gamin, merde. Allez, go, go, à la cave. À la cave. Où tu vas? Par là.
je suppose qu'on ira là plus tard. Pourquoi on a notre tunnel personnel? C'est un hobby? Depuis qu'on est sorti de prison, on continue de creuser des trous? Ah, le sac, ok. La voiture, c'est mort. Ok, apparemment, on n'a pas besoin du sac. Qui c'est qui avait dit que la cave, c'était une bonne idée? Hein? Ah, que c'est mon premier jeu vidéo. Ah bah oui, évidemment. Bonjour, moi c'est John. J'ai des connaissances qui ressemblent à ce couple, c'est assez perturbant. Ok. Salut Maz, tu vas bien? Donc, pas par là, pas directement en tout cas. Évidemment. C'est un super, et toi alors ce jeu? On en a encore à étape. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On vient de le lancer. Sinon, ouais, la journée s'est bien passée. Flat Eyes cet après-midi, c'était super bon. Bon, apparemment, la maison a un peu perdu de sa valeur. Ok, je pense que j'ai bien aimé.
Ok. Comment on appelle le chien? Quel est le contexte? Un samedi soir en Angleterre. Post-Brexit. Non, on est rentré en voiture chez nous avec notre petite famille, donc monsieur, madame, notre enfant et notre chien. Et puis, on s'est endormi devant la télé et on a globalement été réveillé par une attaque alien. Ou une attaque venue du ciel, avec des technologies qu'on comprend pas. D'accord, ces trucs-là peuvent récolter les machins. T'as un bras électrique. Ouais, c'est ça, on a touché un pilote abattu. Un pilote alien qui... Enfin, l'armure était alien, la physionomie était humaine. Tiens, il y a un avion là-bas. Et ça nous a foutu dans le coltard. Mais en se réveillant, on a récupéré un bras électrique. On va où comme ça? Le chien est toujours là. Ouais. Notre femme et notre enfant ont disparu par contre. C'est super beau, j'aime beaucoup le style artistique. Buddy. Passe en dessous. Ok. Certes. Oh! Peut-être pouvoir remonter un peu le son. Vous êtes quoi, vous? On va supposer que rouge, c'est pas bon. Ah, super, le placement de caméra. Ça ressemblait pas à un anglais. Alors oui, effectivement.
Ah, j'adore. C'est la phase, dans toutes les séries de science-fiction où t'as une invasion alien sur Terre, c'est la phase que je préfère. Les aliens viennent de débarquer, tu sais pas encore trop ce qui se passe, tu sais pas à quoi ils ressemblent, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Et pour l'instant, l'humanité a aucune chance. Puis du coup, ils en font deux bonnes saisons et après ils annulent. Vivement une invasion alors. La phase invasion, on arrive très bien tout seul, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit que c'est ce que je préférais, pas que c'était bien. Faut pas avoir une confiance absolue dans mes goûts, hein. Ça, c'est quoi ça? Juste un caillou? Ouais. Oh. Go 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 go. Yep. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Oh, je suis un peu là finalement. Le son à la Mars Attack. Non 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 non. Attends, on a échoué, c'est ça? Ah, on peut courir. Non. Courir déjà. Oui, enfin, c'est-à-dire que si tu me dis pas ce que je fais mal, ça va pas le faire. Splouche. Ouais, plouf. Peut-être en martelant le bouton? Non, ça a pas l'air de changer grand-chose. Ah! Ok, faut se planquer. My bad. Toujours faire confiance aux animaux dans ces trucs-là. Eh, saute! Yeah! Premier boss vaincu.
Il y a eu un petit raté. J'ai pas fait gaffe à mon écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai foiré? Ah oui, ok, oui. Ça m'apprendra à regarder le chat. Oui, non, mais alors tout de suite, si. Si on fait pas gaffe à ça, ça va pas le faire. Faut porter un casque. Ouais, toujours. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est clairement attiré par mon bras. T'aimes bien nager dans des trucs bizarres ce mois-ci. Un peu, ouais. Il y a un truc là-bas. On n'est plus copains, nous? Pourquoi on est en Louisiane d'un coup? On sait nager? Ok, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Caché là ou pas? Peut-être pas. Bon, on va essayer. Ouais, je suis caché. D'accord, du coup, ça va repasser. J'ai pas l'impression que je choisisse quand courir.
Quelqu'un a vu mon chien? Au moins j'aurais vu les jeux et les films. Pour UFO. Il est retourné encore plus derrière? Où est-ce que t'es, Ralph? Non. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé que le jeu prenait 3 heures, donc on va en prendre 6. Enfin, il. Sur Long to Beat, apparemment, il prend 3 heures. Ah, mais on a une lampe là. Ah. Tu sais quoi, je me sentirais tellement à l'aise si je pouvais sprinter quand je le voulais. Ah. Oh. Oups. Bonjour. Y'a personne. Je suis pas là. Ok, donc on a saisi que c'était avec ce truc-là. Cool. Progrès. Tu viens pas? Non? Ok, je pars sans toi. Meilleur ami de l'homme, mais pas forcément l'inverse. Pas très fut fut cette alien. Ça se trouve c'est un ordinateur, ouais. Ils ont réussi à envahir la Terre. À mon avis. Hein, mais c'est peut-être juste une critique à deux balles. Si t'as les capacités de voyager dans l'espace suffisamment développées, que t'as un niveau technologique suffisamment élevé. T'as pas besoin d'être très très performant pour envahir la Terre. Ah! Oh, oh, c'est bizarre.
Ok, on a perdu notre chien, mais on a gagné des aliens. Mais dans le bon sens? Je suppose que non. Mais il est percé. Ah, ok. Faut qu'on trouve de quoi faire de la lumière et éteindre un feu derrière, je suppose. Non? Peut-être pas. Ça manque de cro... Ça mange des croquettes, les aliens. Il faut qu'on aille chercher notre chien là-dedans? Non. Non, ça a coulé en plus le truc. La barque, elle a coulé depuis, non? Ouais, ça, on peut pas aller plus que ça. Ok. D'accord, j'ai saisi. Allez, nom 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 nom. Venez jusque-là. Bon, il y a de l'idée. Je peux passer ici? Non. Ah, ok, non, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est plus simple que ça. Mettre le seau dans l'eau et rembobiner la chevillette. Une fois que je me serai débloqué. Mais je pense que c'est ça. C'est ça.
est resté dans le coltard combien de temps? Incroyable, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais ouais, si tu veux. Ah mais non. C'est quoi ça? Ah bah te revoilà toi. Il y a des humains là-bas. J'adore ces visuels à la Death Stranding. Ok, donc je suppose qu'on va aller au panneau rouge, à la pyramide et à Poudlard là-bas? C'est joli, hein? Ça me fait penser au début de Life is Strange. J'ai jamais fait ce jeu. Ok, le panneau rouge, on y est déjà. Juste regarder en stream. Ouais, il faudrait que je regarde un let's play. Ou mieux, y jouer, je pense que je dois l'avoir dans ma bibliothèque. T'es vivant, monsieur? Tu dors. Discret, bien joué. Rien d'utile dans la voiture de police, non. Ok, on a dû rester quelques jours dans le coltard quand même. Parce que ça sent pas trop l'évacuation immédiate. Et je serais curieux de voir aussi de l'espace ce que ça donne tous ces pics.
Ok, donc pas par là. Merci. F, ok. On va faire le tour. Ah, mais ça me fait... ça sac, je pense. Alan Wake, où t'avais aussi une mécanique de lumière comme ça. J'aimerais bien le refaire avec vous, celui-là. C'est un sacré jeu. Okay, ça c'est plutôt cool. Le câble qui passe à travers la ferraille aussi. Sacré pince. Hein. Et hop là. Ici. Nope. Ici. Ah, dans les toilettes, dans les toilettes, dans les toilettes. Nickel. Que ce soit ton boss ou les aliens, c'est toujours un bon endroit pour se planquer. Il y a un analyseur dedans. Un mauvais jeu.
Vous avez trouvé un endroit calme pour vous cacher. Ok, celui-là, j'aime bien. Oh, mais ils sont matérialisés avec la lumière. D'accord, donc ils récupèrent de l'énergie avec la lumière. Et ça leur permet de produire ce genre de choses? Ah, super. C'est Horizon Zero Dawn maintenant. Oups. Bon app, Maz. Oh cool, on a fermé les volets, d'accord. Ah mince. Ah, je pensais qu'on était ok. On est ok? Il y a un type là. Bonjour monsieur. Gros dodo? Ouais, gros dodo aussi. Je sais pas dans quoi je suis coincé. Ah, ok, c'est bon.
Ok. Ah! Oh, ok, cool. Ça, c'était sympa. Tomber. Donc tu peux marcher dans le vide, mais faut pas trop déconner quand même. Ça passe. Ça c'est ok. Si t'as plus un seul pixel de ton pied sur la barre, ça marche plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'était un festival de musique, d'accord. Pour ça qu'il y avait des tentes et tout le bordel. C'est pas une évacuation, c'était un festival. Cool. Ça, c'est encore les jeunes avec leur rock'n'roll qui ont invoqué les démons aliens de l'autre espace. Très crédible. Merci Giano. Ça va être mon chien là-dedans? Non, mais ça aurait pu. Et on va apprendre que ça, c'est des humains. Ok, si tu me fais une scène de combat sur la scène, tu gagnes 2 points dans mon estime. Juste pour la référence à Alan Wake. J'aime beaucoup la connexion. C'est l'USBZ. Oh, ça c'est cool.
Les contrôles sont pas ouf. On peut le faire aller de haut en bas, ça fait rien. On peut pas jouer de la musique. Taille des connecteurs. Ben voilà, j'ai récupéré mon vaisseau. Oui, évidemment, on va le faire. T'es sûr? Le jeu met quelques secondes à charger maximum, donc ça va au pire. Pas là. Et tant qu'il y a de la lumière, tu ne peux rien contre moi. Seulement, la lumière va se couper maintenant. Non, maintenant. Go, 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 go. Oui. Ah. Merci, étranger en armure. Et la lumière du soleil les dérange. Aucune idée. Ok. Bonjour Monsieur Grosbras, merci Monsieur Grosbras. Bon. Grosbras, vous êtes? Ok, on va t'appeler Gundam. Ce serait fun, il peut agir la nuit sans lune, sous la pluie et dans le brouillard. Mais ça faisait longtemps, ça faisait au moins 4 jours que j'en avais pas parlé, je crois. Ou j'avais pas fait une référence du genre. Leur module dans le dos. Ça me fait penser à une excellente série qui s'appelle Knight of Sidonia. Et est-ce qu'il y a une armure dans celui-là? Alors il y en a, mais est-ce qu'il y a un combat où c'est un peu lisible? Ouais. Où t'as
T'as ce genre d'armure. C'est super bon comme manga. L'anime était pas mal non plus. Mais il a un peu disparu, j'ai l'impression. Et comment vous allez repousser l'invasion avec le changement climatique, plus la pluie. Plus de pluie, pardon. Bah, je veux dire, c'est globalement ce qui est fait dans la guerre des mondes, non? Si ce n'est que c'est le. C'est quoi? C'est l'oxygène qui les tue dans la guerre des mondes? Un virus ou une bactérie, ok. Bon, et du coup, Gordon, on y va. J'avais pas vu venir, tiens, celle-là. Oui! C'est lui qui a fait ce bruit? Ça va, Gordon? Donnez-moi 2 secondes. C'est cool. Ça va, ça roule? Dibs sur l'armure. Maintenant, je peux faire bleu ou rouge. Il manque blanc. Je peux faire un drapeau.
Je crois que je me suis coincé. Ouais, je me suis coincé. Non, c'est bon. Voilà, bon, attends, comment je remonte là-haut, moi? Il y a un truc qu'il faut que j'active. Il faut que je réponde à un message. Donnez-moi un instant.